Emmanuel Macron et Pedro Sanchez étaient réunis ce jeudi à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Les deux dirigeants ont signé un traité d'amitié destiné à renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines. La défense, la justice, la politique migratoire et les communications. Des traités similaires ont déjà été signés, notamment avec l'Allemagne, mais Paris veut renforcer ses liens avec d'autres voisins européens au moment où le couple franco-allemand semble fragile. Cette rencontre se déroulait dans un contexte de contestation. Le déplacement en Espagne d'Emmanuel Macron intervenait le jour de la mobilisation en France contre la réforme des retraites. Depuis la capitale catalane, le président français a défendu une réforme validée démocratiquement par les urnes. Par ailleurs, à Barcelone, ce sont les leaders indépendantistes catalans qui ont battu le pavé. La question catalane reste sensible. Perçu comme un traître par ses détracteurs, le leader indépendantiste Oriol Junqueras, partenaire de Pedro Sanchez à Madrid, a dû quitter la manifestation sous les huées et les cris.